Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du lundi 25 septembre à 19h30. Le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui se sont déplacés, encore une fois pour certains, on a des habitués. Alors, d'entrée de jeu, simplement avant de procéder aux éléments plus formels, souhaiter la bienvenue à Marc Lefrançois, dont on a fait de la sermentation vendredi. Donc, bienvenue. Donc, et il va être là pour un bon bout de temps, même si ce soir, c'est un soir de rodage, c'est ça, mais à date, il est très bien fait ça. Je porte à votre attention que ma collègue de droite, Michèle Bernard, ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais je vous rassure, elle va être de retour en bonne forme à la prochaine rencontre. Donc, j'inviterai Mme Brisebois à procéder avec les principaux éléments d'introduction. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde dans la maison et dans la salle. Donc, je vais procéder en bloc pour les trois premières propositions, soit l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer d'adopter l'ordre du jour tel que présenté pour la séance ordinaire du 25 septembre 2023. Je vais également proposer d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 août et de la séance extraordinaire du 18 septembre 2023. Les membres du Conseil en ont reçu copie conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Et finalement, je vais proposer de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 5 septembre dernier et autoriser les services municipaux intervenants à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues dans le procès-verbal. Donc, je fais la proposition de ces trois éléments. Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais seconder, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Il faut dire oui et voir, M. François. Ah, tu ne peux pas. Bon, c'est ça. Je ne savais pas ça. Que quand tu n'étais pas là, tu ne pouvais pas. Ah, c'est ça. Donc, on va s'en prendre avec la prochaine. C'est ça. Donc, tu vois, on a toujours quelque chose à apprendre, Marc, même après des années. C'est en toute humilité. C'est pour ça que des fois, on se donne des petits coups de pied. C'est ça. C'est parfait. Puis, un peu d'humour fait toujours du bien au travers ça. Attends, c'est ça. Donc, le dépôt des documents. Les dépenses autorisées. En vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le dépôt de la liste en date du 21 septembre énumérant les personnes engagées et aussi le dépôt daté du 21 septembre toujours énumérant les occupations du domaine public. Et comme on le dit à chaque fois, ou presque, dans le fond, ces documents sont déposés, vont devenir accessibles. Les conseillers ont eu l'occasion de poser des questions, de donner des réponses donc, à leurs questions. Donc, voilà pour le dépôt des documents. On en arrive aux différents dossiers de la direction générale et j'invite Mireille Thibault à procéder. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 8, amendement à la politique de gestion et d'utilisation des médias sociaux. Considérant que la Ville de Montmagny désire apporter des modifications à sa politique de gestion et d'utilisation des médias sociaux, je propose d'amender la politique de gestion et d'utilisation des médias sociaux en ajoutant à la liste des personnes autorisées à gérer les médias sociaux l'agent événementiel et touristique du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de retirer de cette même liste le coordonnateur au développement économique et gestion d'événements de la Société de développement économique de Montmagny. Le point 9. C'est la demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet amélioration, travaux de réfection sur le chemin du Brosse-Saint-Nicolas. Alors, considérant que le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elle en a la responsabilité, je propose que le conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de la réfection sur le chemin du Brosse-Saint-Nicolas, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et certifie que le directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Le point 10, c'est une demande d'aide financière au Fonds du Canada
pour les espaces culturels de Patrimoine Canada, mise à jour du système de giclage maison Sir-Étienne Pascal Taché. Considérant que des travaux de réfection sur le système de giclage doivent être effectués à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, afin de mettre aux normes le système de protection contre les incendies, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à déposer, pour et au nom de la ville de Montmagny, une demande d'aide financière au programme Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine Canada pour les travaux de réfection du système de giclage à la maison Sir-Étienne Pascal Taché, d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à signer, pour et au nom de la ville de Montmagny, tout document donnant effet à la présente résolution. Alors, pour ces trois résolutions, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord. Merci. Donc, on en arrive aux différents documents du service des finances et de provisionnement. J'invite Mme Boulay. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. À la résolution numéro 11, c'est celle de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 196 000 $ qui sera réalisé le 6 octobre 2023. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 2 196 $ qui sera réalisé le 6 octobre 2023 et qui est réparti de façon suivante. En fait, pour faire court, c'est plutôt un total de 2 196 000 $ je m'excuse. Considérant pour les règlements d'emprunt numéro 1182, 1185, 1189 et 1191, la Ville de Montmagny souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, je propose que les obligations seront datées du 6 octobre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 6 avril et le 6 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CSD Inc. et CSD entre parenthèses et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales et obligations. Et à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis. Je vais demander et que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 1182, 1185, 1189 et 1191 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. Alors, je passe à la résolution numéro 12. C'est la résolution d'adjudication, appel d'offres public, courtier, émission d'obligation. Alors, à venir, soumission ouverte lundi le 25 septembre 2023 à 15h. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, considérant que la Ville de Montmagny a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 6 septembre 2023 au montant de 2 196 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Les valeurs immobilières des jardins pour un 5,6063%. La financière banque incorporée pour un taux de 5,63731. Les valeurs mobilières banque laurentienne pour un taux de 5,64856. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme valeur mobilière Desjardins est la plus avantageuse. Alors, je propose que l'émission d'obligation
au montant de 2 196 000 $ de la Ville de Montmagny, soit adjugé à la firme Valeur Mobilière Desjardins. La résolution numéro 13, c'est cautionnement des obligations de Carrefour mondial de l'accordéon, la marge de crédit à la Caisse Desjardins de Montmagny. Alors, le 19 juin 2023, 35 000 $ eu égard à sa marge de crédit de 50 000 $ contractée auprès de l'institution financière Caisse Desjardins de Montmagny. Alors, je propose jusqu'au 19 juin 2026 pour un montant maximal de 35 000 $ eu égard à la marge de crédit de 50 000 $ contractée par cet organisme auprès de la Caisse populaire de Montmagny le 16 avril 2004. Est-ce qu'il est pertinent d'ajouter des commentaires, M. le maire, ou si ça complète bien? C'est toujours pertinent, mais tu peux si tu en as à faire, tu peux le faire. Non, c'est beau. C'est correct. Oui? OK, merci. Alors, la résolution numéro 14. Autorisation de financement, aménagement d'un bassin de rétention pour la rue Gaudreau. Considérant que la Ville projette d'aménager un bassin de rétention de l'eau pluviale à l'extrémité de la rue Gaudreau, près de la rivière du Sud, considérant qu'un mandat de service professionnel a été accordé à la firme Englobe Environnement afin de réaliser une étude de faisabilité du projet, considérant que le coût de ce contrat s'est avéré plus onéreux en raison de demandes supplémentaires exigées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Je propose d'affecter la somme de 11 325 $ et 27 sous provenant de l'excédent financier non affecté au poste budgétaire pour la protection de l'environnement, qui est au numéro 02 470 01 419. À la résolution numéro 15, autorisation de financement, c'est le travaux de stabilisation des berges de la Pointe-aux-Oies. Considérant que des travaux de stabilisation de la berge de la Pointe-aux-Oies sont nécessaires en raison de l'érosion de la berge, considérant que le paiement d'une compensation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est nécessaire pour obtenir l'autorisation ministérielle permettant la réalisation de ces travaux. Je propose d'affecter la somme de 64 702 $ provenant de l'excédent financier non affecté au poste budgétaire pour la protection de l'environnement. Alors, je poursuis avec la résolution numéro 16. Autorisation de financement, c'est la mise à jour du système de giclard à la maison Sire Pascal Taché. Considérant qu'une mise à jour du système de gicleur de la maison Sir-Étienne Pascal Taché est nécessaire et ce bâtiment patrimonial est actuellement très vulnérable aux incendies, je propose d'autoriser les travaux de mise à jour du système de gicleur de la maison Sir-Étienne Pascal Taché pour une somme de 85 000 $. De financer le coût de ces travaux à même l'excédent financier non affecté. La résolution numéro 17. Engagement de la Ville à contribuer au projet supplément au loyer, projet famille de 48 à 80, de l'adresse 48 à 86 chemin des Poiriers. Considérant l'entente tripartie entre la Société d'habitation du Québec, les logements Côte-Sud, Inc. et de la Ville de Montmagny, je propose d'autoriser le remboursement d'une somme de 826,80 $ à les logements Côte-du-Sud, laquelle somme correspond à 10 % du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, et ce, conformément à l'entente tripartie concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer, accès logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 chemin des Poiriers. Alors, je termine avec la résolution 18. Juste, oui. Parce que j'ai pas renouvelé, fait que le tableau, tu liras celui-là, parce que sinon, il va y avoir une coquille dans celui-là. Ah, OK, parfait. Alors, une modification qui est apportée au tableau, puis j'ai un autre tableau pour travailler. Alors, on va régulariser le tout. Merci, Mme Gabrielle. Approbation de dépenses et de contributions, c'est des autorisations de paiement.
Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, il est proposé, je propose, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 3 670 $. Alors, le montant octroyé à l'entraide Pascal Taché, c'est pour l'achat d'un billet pour un souper bénéfice qui va avoir lieu le 21 octobre au montant de 60 $. Si c'est deux ou deux de un, c'est juste ça la différence. Ici, l'achat de cartes. Le montant est bon, mais le montant de cartes n'était pas bon. L'achat de deux cartes bancaires des entrepreneurs qui est Desjardins, qui est... Excusez, là. Je m'excuse. Ben oui. Pour le souper des entrepreneurs qui va se tenir à Cap-Saint-Ignace, en fait, c'est la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny pour deux cartes au coût de 160 $. Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, achat de 7 cartes pour le gala Prestige Desjardins qui va se tenir le 9 novembre 2023 pour une somme de 1 050 $. Et aussi, pour la fondation du cégep de la Pocatière, 24 bourses de 100 $ qui va être remis aussi aux 24 étudiants. Et en fait, pour promouvoir aussi que nos jeunes étudient ici au cégep de Montmagny, on a décidé de valoriser, puis c'est dans le but de valoriser aussi les inscriptions au cégep, d'augmenter les bourses d'études là, pour nos étudiants, puis d'être de plus façon plus attractive et puis d'ouvrir nos opportunités à des nouveaux étudiants. De Montmagny. De Montmagny. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait 15 l'an dernier. On pense à 24, c'est quand même une hausse. Oui, oui. Merci pour le complément d'information, M. le maire. Alors, puis, pour finaliser le tout, c'est d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Alors, pour ce bloc de résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on en arrive au service du greffe et des affaires juridiques et j'invite Jessica Rotto à poursuivre. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 19, modification au calendrier annuel des séances ordinaires du conseil municipal. Séance ordinaire du 30 octobre 2023. Donc, c'est important à retenir, considérant que le conseil peut, en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier établi annuellement. Considérant que des travaux auront lieu à l'hôtel de ville situé au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-S à Montmagny pendant la semaine du 30 octobre, je propose donc de modifier le calendrier annuel des séances du conseil municipal afin que la séance du 30 octobre prochain, donc 2023, se tienne à 19h30 au pavillon communautaire Espace citoyen, dans la salle François-Prévost, située au 48 avenue du Bassin-Nord à Montmagny. Donc, important à retenir. Le point 20, autorisation de signature entente avec la CDC, ici Montmagny-Lillet, installation d'une entrée électrique. Donc, considérant qu'une seule entrée électrique alimente la bâtisse appartenant à la CDC, ici Montmagny-Lillet, et les infrastructures de la ville de Montmagny, soit les terrains de tennis et le skatepark, considérant que les parties s'entendent pour faire installer deux entrées électriques distinctes sur la bâtisse de la CDC ici Montmagny-Lillet, ainsi que sur le remboursement des dépenses de frais assumées par cette dernière par l'alimentation en électricité de cette infrastructure de la ville. Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Montmagny une entente établissant les modalités, et les obligations de chacune des parties pour l'installation de deux entrées électriques distinctes sur la bâtisse appartenant à la CDC, ici Montmagny-Lillet. Et enfin, le point 21, autorisation du Club Lyon de Montmagny, activité stop payant, édition 2023. Considérant que l'activité stop payant est une activité de financement permanent de l'organisme Club Lyon de Montmagny, d'amasser des fonds, considérant que l'autorisation de la ville de Montmagny est requise pour cette utilisation du domaine public. Je propose donc d'autoriser l'organisme Club Lyon de Montmagny à tenir une activité de financement stop payant de 9h à 16h l'une des journées suivantes selon les conditions climatiques, soit le samedi le 7 octobre ou le samedi 14 octobre aux endroits suivants
soit à l'intersection de la rue Saint-Louis, de l'avenue de la Fabrique, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest et du chemin des Voiriers, et à l'intersection de l'avenue du Bassin-Sud et du boulevard Taché-Est, et ce, dans les mesures où la circulation automobile n'est pas obstruée et que l'organisme est doté des assurances responsabilité civile. Important de spécifier que les sous, M. le maire, vont être redonnés au programme PAIR. Donc, le programme PAIR, c'est un programme qui sert à faire des appels téléphoniques auprès des aînés vivant seuls afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Donc, c'est le programme PAIR. Donc, c'est les sous qui ont du Club Lyon vont être remis. Et puis, c'était la suggestion du service des loisirs. C'est notre condition qu'on a amenée dans les dernières années d'autoriser le Club Lyon va faire ça, mais selon les recommandations du service des loisirs pour diversifier puis donner aussi les sous aux bonnes places à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, pour ces trois résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Donc, Marc Lefrançois, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, merci. Donc, ça nous amène aux différents dossiers du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, c'est lui qui poursuit, c'est ça? Je voyais bien qu'il y avait quelqu'un d'autre, le nom n'était pas marqué, c'est lui, c'est ça? Non, c'est ça. Alors, c'est Mme Boulay. Oui, merci beaucoup. Alors, à la résolution numéro 22, c'est la nomination d'un membre au comité consultatif en développement touristique. Considérant que le poste de représentant du volet plein air sur le comité consultatif en développement touristique est vacant, je propose de nommer M. Pierre Fréchette à titre de représentant du volet plein air sur le comité consultatif en développement touristique. Alors, la résolution numéro 23, c'est l'autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny. Le grand défi Pierre Lavoie, c'est l'utilisation du domaine public et interdiction temporaire de circulation le samedi 14 octobre 2023. Considérant que la Ville de Montmagny, à l'instar de plusieurs autres municipalités et dans le cadre de sa démarche visant à encourager les saines habitudes de vie, emboîte le pas en participant à l'événement La Grande Marche du grand défi Pierre Lavoie. Considérant que les Enfants de cœur, le groupe de médecine familiale et la Société de développement économique nous ont signifié leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation de cet événement, je propose d'autoriser le comité organisateur de la Grande Marche de Montmagny à utiliser le réseau routier de la Ville de Montmagny le samedi 14 octobre 2023 entre 12h30 et 16h pour la tenue de la marche selon le tracé joint à la présente résolution. Pour le consulter, vous pourrez aussi aller visualiser sur le site là, de la Ville de Montmagny. Le trajet va y être bien expliqué. Alors, je vais continuer ma lecture. D'autoriser aussi le comité organisateur à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux. D'assurer au comité organisateur le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts, d'équipements et de main-d'œuvre selon la disponibilité pour la réalisation de cette activité selon les besoins du comité. Alors, une autre résolution à lire. Autorisation de signature, c'est une entente de développement culturel pour l'année 2024. Je propose d'autoriser le coordinateur culturel et touristique ou son représentant à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny les documents nécessaires à la conclusion d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec couvrant l'année fiscale 2024. D'engager la Ville de Montmagny à contribuer financièrement au projet de l'entente de développement culturel pour une somme totalisant de 10 000 $ et ce, pour les projets suivants. L'exposition sur le hockey Magny-Montois à la maison Taché. Numérisation des journaux locaux par la Société d'histoire de Montmagny. Le programme éducatif sur le jeu à la bibliothèque. De nommer le maire ou le maire suppléant à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans le cadre de cette entente, ainsi que de l'autoriser à signer l'entente à intervenir entre le ministère et tout autre document donnant effet à la présente résolution. Pour ce bloc de résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui.
Donc, on va en privé, toujours dans la même série, mais avec Mme Thibault pour les résolutions 25 et suivantes. Oui, merci, M. le maire. Alors, le point 25, c'est le programme de soutien aux politiques familiales municipales, acquisition de banques d'allaitement. Alors, considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à soutenir les municipalités dans l'élaboration ou la mise en œuvre d'une politique familiale municipale, en vue d'assurer aux familles l'accès à des ressources ou à des services nécessaires à leur épanouissement, considérant que la Ville de Montmagny souhaite présenter en 2023-2024, dans le cadre de ce programme, une demande d'aide financière admissible pour la réalisation du projet d'acquisition de bandes d'allaitement prévu au plan d'action issu de la politique familiale, je propose d'autoriser M. Patrick Vachon, intervenant en loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les documents relatifs à la demande d'aide financière présentée en 2023-2024 dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Et si cette demande est acceptée par le ministère de la Famille, la convention d'aide financière dans le cadre de ce programme. Pour votre information, et j'invite la population à prendre connaissance de notre politique familiale et de voir tous ces beaux enjeux qui sont mis au service de la population. Alors, on va se souhaiter bonne chance pour l'obtention de cette subvention qui nous permettrait d'installer nos banques PAC. Le point 26, demande de subvention au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, projet de vélo-taxi pour les aînés. Alors, c'est le beau projet que nous avons connu en partie, qui est en projet pilote cet été. D'ailleurs, un citoyen dans la salle a eu le privilège d'opérer le vélo. Alors, merci encore à vous. Alors, si je reviens à la résolution, le point 26, donc, considérant que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, est un programme fédéral de subvention qui offre un soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité, considérant que la Ville de Montmagny souhaite mettre en place le projet de vélo-taxi pour les aînés et que ce projet est admissible à une aide financière dans ce programme, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme de subvention et de contribution Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, pour la réalisation du projet de vélo-taxi pour les aînés. En passant, pour votre bénéfice, aînés dans ce programme, on parle de citoyens de 55 ans et plus. Alors, c'est le terme au niveau du gouvernement fédéral pour désigner, mais vous savez qu'on est des jeunes très actifs à cet âge. Alors, point 27, autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, reconnaissance à titre de municipalité, Amis des enfants, MAE. Alors, considérant la volonté manifestée et les démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité Amis des enfants, MAE, je propose d'autoriser et d'approuver le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité Amis des enfants, MAE, de confirmer que Mme la conseillère Gabrielle Brisebois, pour la durée de son mandat de conseillère municipale, et Mme Manon Garand, coordonnatrice des activités communautaires, soient les porteurs du dossier municipalité Amis des enfants, MAE, de confirmer formellement l'engagement de la Ville de Montmagny à mettre en place dans un délai de 3 ans les 3 engagements figurant au dossier de candidature pour la reconnaissance MAE, que la Ville s'engage à mettre en œuvre les 3 engagements inscrits au dossier de candidature municipalité Amis des enfants, annoncer publiquement l'obtention de la reconnaissance municipalité Amis des enfants, promouvoir les droits de l'enfant en célébrant chaque année la Journée mondiale des droits de l'enfant le 20 novembre, tout au long des 3 prochaines années, communiquer votre appartenance au réseau municipalité Amis des enfants et diffuser l'état d'avancement de vos engagements, ainsi que toute autre action réalisée en faveur des enfants auprès de la population et notamment auprès des enfants. Après 18 mois, effectuez un suivi auprès d'Espace Muni sur l'état d'avancement des engagements en envoyant un rapport à mi-état. Alors, sur ces 3 résolutions, je demande un appuyeur. J'ai appuyé, Mme Thibault. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Je suis d'accord. Donc, on va poursuivre avec M. Croteau pour le volet des ressources humaines. Oui, donc au point 28, M. le maire. Oui, donc engagement au poste de technicien en technologie de l'information, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la convention collective de travail des employés Col Blanc. Je propose donc d'engager M. François-Xavier Noël au poste de technicien en technologie de l'information au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à titre régulier, temps complet et au salaire
et aux conditions prévues à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la ville de Montmagny, et ce, à compter du 25 septembre prochain. Donc, je pense que, monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous expliquer? La promesse est en collaboration avec la MRC, c'est cet emploi-là, c'est un effet de domino. Une entente intermunicipale intervenue avec la MRC, donc nous donnant l'occasion de se doter de plus de profondeur au niveau des ressources en technologie de l'information, mais en prêtant nos services avec les besoins de la MRC, ce qui fait que la MRC contribue aussi dans le salaire qui va devoir être défrayé pour cette nouvelle ressource-là, en plus d'un programme de mise en commun qui nous donne 250 000 $ sur 5 ans. Parfait. Et c'est une orientation qui est souhaitée par le ministère des Affaires municipales aussi. Donc, merci pour le complément d'information. Oui. Donc, on va le faire tout de suite. OK. Je vais demander un appuyeur pour ce point-là, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, on poursuit avec toujours M. Croteau avec les travaux publics. Donc, le point 29, approbation du plan d'intervention, renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et déchaussée. Considérant que la ville de Montmagny a adopté un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et déchaussées selon les modalités prévues au guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et déchaussées. Considérant que le plan d'intervention est une référence et la référence sur laquelle le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation se base pour accorder les subventions pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et des chaussées, considérant que ce plan d'intervention est un outil, également un outil d'aide à la décision, d'importance notamment pour la mise en priorité des investissements contenus au programme quinquennal des immobilisations. Donc, considérant aussi que le Conseil a pris a pris connaissance de la mise à jour apportée à ce plan d'intervention et des plans démontrant les priorités d'intervention en cette matière. Je propose donc d'approuver le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et des eaux et des chaussées mis à jour au mois de septembre 2023 et démontrant les priorités de remplacement et d'entretien des infrastructures municipales de la ville de Montmagny. Le point 30. C'est une demande d'aide financière au programme InfoDig. Considérant que la Ville de Montmagny désire présenter une demande d'évaluation d'admissibilité ou une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre d'InfoDig, dans le cadre des travaux à réaliser au mur de béton qui appartient à la Ville le long de la rivière du Sud afin de réaliser le diagnostic initial d'un ouvrage de protection contre les inondations. Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière à InfoDig dans le cadre des travaux à réaliser au mur de béton appartenant à la ville le long de la rivière du Sud. Que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en environnement, soit autorisée à signer tous les documents de demande d'évaluation d'admissibilité ou de demande d'aide financière relatif à la réalisation du diagnostic initial d'un ouvrage de protection contre les inondations dans le cadre d'InfoDig. Le point 31, reconduction de contrat, auscultation et nettoyage des conduites d'égout année 2024. Considérant que le devis pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout prévoit la possibilité d'exercer deux années de reconduction, soit l'année 2024 et 2025, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'une année supplémentaire, je propose donc de reconduire le contrat accordé à la firme Can Explore Inc. pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout au prix total de 25 340 sous. Taxes incluses pour l'année 2024. Donc, pour ces trois résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Brisebois. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on va poursuivre avec, on revient à Mme Thibault pour les résolutions suivantes. Certaines reconductions de contrat pour notre prochaine année. C'est ça. Alors, le point 32, reconduction de contrat, nettoyage, entretien et divers services environnementaux pour l'année 2024. Alors, considérant que le devis pour les services de nettoyage, d'entretien et de divers services environnementaux sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts prévoit la possibilité d'exercer une dernière année d'option,
Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite des services offerts par l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'une année supplémentaire, je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise provinciale Environnement Incorporé pour la prestation de services de nettoyage, d'entretien et de divers services environnementaux pour une période additionnelle d'un an, soit pour l'année 2024 pour le prix de 49 302 $ taxes incluses. Reconduction 33, reconduction de contrat, construction et réfection de bordures et trottoirs en béton pour divers endroits pour l'année 2024. Considérant que le devis pour la construction et la réfection de bordures et trottoirs en béton à divers endroits sur le territoire de la ville de Montmagny prévoit la possibilité d'exercer une dernière année d'option pour l'année 2024, considérant que la ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'une année supplémentaire, je propose de reconduire le contrat accordé à la firme Les Entreprises J.R. Morin Incorporé pour la construction et la réfection de bordures de rues et de trottoirs en béton à divers endroits dans les limites de la ville de Montmagny au prix total de 82 680 et 82 sous, taxes incluses. Point 34, reconduction du contrat contrôle de qualité pour un laboratoire d'essai pour l'année 2024. Alors, considérant que le devis pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai prévoit la possibilité d'exercer deux années d'option pour les années 2024 et 2025, considérant que la ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'une année supplémentaire, je propose de reconduire le contrat accordé à l'entreprise FNX Innov Incorporée pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai pendant l'année 2024 pour un montant de 61 231,67 sous, taxes incluses. Le point 35, alors reconduction de contrat lignage des rues pour l'année 2024. Considérant que le devis pour le lignage des rues prévoit la possibilité d'exercer une dernière année d'option pour l'année 2024, considérant que la ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'une année supplémentaire, je propose de reconduire le contrat accordé à l'entreprise Permaligne Incorporée pour l'exécution de travaux de lignage de rue sur le territoire de la ville de Montmagny pour l'année 2024, et ce, pour le prix de 17 377,32 sous, taxes incluses. Alors, voyez, c'est important de pouvoir, Madame Lagardière, s'il y a quelque chose que qui n'est pas conforme, me le dire. Alors, vous voyez que c'est important de pouvoir bénéficier de cette année d'option, parce que avec tous les tarifs qui auraient pu augmenter, bien, la ville pourra s'assurer d'un taux déjà connu et à une différence près des dernières années. Alors, c'est une bonne façon de faire. Alors, je termine par le point 36. L'adjudication de contrat entretien hivernal du dépotoir à neige usée pour l'hiver 2023-2024. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour l'entretien hivernal du dépotoir à neige usée pendant l'hiver 2023-2024, avec possibilité de trois hivers additionnels, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, quatre soumissionnaires ont présenté une offre, soit les entreprises Excavation Léon Chabot Incorporée, les entreprises JFE Incorporée, Travaux à forfait Nayan Incorporée et les entreprises Gilbert Cloutier Incorporée, je propose d'adjuger à les entreprises JFE Incorporée le contrat pour l'entretien du dépotoir à neige usée de la ville de Montmagny pendant l'hiver 2023-2024 au prix de 0,739 sous le mètre cube de neige traité, taxe incluse. Pour l'ensemble de ces résolutions, je demande un appui, s'il vous plaît. Je vais appuyer, monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. On voit qu'on commence à parler de l'hiver. Nous sommes le 25 septembre et dans trois mois, nous serons le 25 décembre. Ça va faire plaisir à quelqu'un de voir une bagage. C'est ça. Donc, mais oui, c'est ça, le temps passé. Mais je vois quand même qu'on annonçait beaucoup de contrats 2024, comme quoi on est prévoyant en pensant déjà à planifier notre année 2024. Donc, bravo aux artisans derrière ces résolutions. Donc, on en arrive
à la prochaine série. Donc, j'invite Gabriel Brisebois pour suivre avec le 37 à 39. Oui, donc ce sont trois adjudications de contrat. Au point 37, la Ville est passée par appel d'offres public pour demander des soumissions pour la location d'un tracteur avec gratte industrielle et pour la location d'un tracteur et d'une souffleuse industrielle pour l'hiver 23-24, mais aussi avec trois années optionnelles pour les hivers 24-25, 25-26 et 26-27. Puis, à la suite de l'appel d'offres, il y a eu un seul soumissionnaire qui a présenté une offre, soit Bossé et Frères Incorporés. Je propose donc d'adjuger à Bossé et Frères Incorporés le contrat pour la location d'un tracteur avec souffleuse industrielle et le contrat pour la location d'un tracteur avec gratte industrielle pour l'hiver 23-24 au prix de 50 589 $ pour chacun des contrats, taxes incluses. Au point 38, la Ville est passée par les appels d'offres publics pour demander des soumissions pour la fourniture et la mise en place d'un pavé uni dans le cadre du projet d'aménagement de la place des Migrations. La Ville a reçu 5 soumissionnaires qui ont présenté une offre, soit les constructions Ginov Incorporé, Pavage Célan Jiricho Incorporé, Groupe Relief Incorporé, Groupe Nordstone Incorporé et les entreprises PNP Incorporé. Je propose donc d'adjuger à Pavage Célan Jiricho Incorporé le contrat pour la fourniture et la mise en place de pavés unis dans le cadre du projet d'aménagement de la place des Migrations pour le prix de 129 448,28 taxes incluses. Et finalement, la Ville est passée par les appels d'offres publics pour demander des soumissions pour la mise à niveau du poste de pompage au camping Pointe-aux-Oies. Et suite à cet appel d'offres, il y a un seul soumissionnaire qui a présenté une offre, soit Simota Incorporé. Et le prix soumis de la seule soumission était beaucoup plus cher que l'estimé qui avait été déposé au dossier. Il y a une négociation qui a été faite avec le soumissionnaire après l'ouverture de l'enveloppe, mais la négociation n'a pas permis d'arriver à un prix contractuel qui était convenable pour la Ville. Donc, la Ville a inclus dans ses documents d'appel d'offres la possibilité qu'elle ne retienne aucune soumission déposée s'il n'y en avait aucune qui convenait au niveau du prix. Je propose donc de ne pas adjuger à Simota Incorporé le contrat pour la mise à niveau du poste de pompage au camping Pointe-aux-Oies, dont le prix de la soumission déposée s'élève à 412 231,37 taxes incluses, cette soumission étant bien au-dessus de l'estimation déposée au dossier. Et peut-être en complément d'information, il y a un autre appel d'offres qui va être fait au printemps. Puis, comme on sera au début du printemps, mais il y a des fortes chances qu'il n'y ait plus d'entrepreneurs qui aient de la disponibilité dans leur carnet. Donc, on devrait avoir plus d'une soumission. Donc, pour ces trois points, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Lefrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Merci. Donc, j'invite Jessica Otto à poursuivre avec un dossier de l'urbanisme. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, le point 40, dérogation mineure au 91 avenue du Bon Conseil. Donc, c'est pour une marge latérale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Je vais vous les nommer parce que c'est une seule dérogation mineure. Donc, c'est la demande d'un caractère mineur. L'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité ou de santé publique. Et la dernière, c'est la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Donc, considérant qu'en 1986, la somme des marges latérales pour cet usage était de 3,6 mètres, selon l'article 5.1 du règlement de zonage numéro 522, considérant la différence de 33 cm avec la marge permise en 1986, peut soit venir d'une erreur de construction en 1986 ou d'une modification de la ligne du lot réalisée lors de la rénovation cadastrale vers les années 2006, considérant qu'il est possible que la mesure du centre jumelé n'a pas été indiquée au même endroit sur les deux plans. Je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 91 avenue du Bon Conseil visant à permettre une somme des marges latérales de 3,27 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, on voit que c'est vraiment mineur. Donc, pour cette résolution, M. le maire, je vais demander un appuyeur. D'appuyer. Oui, peut-être demander dans la salle, M. le maire, oui. S'il y a des gens dans la salle pour la consultation publique concernant cette dérogation mineure-là. Non. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci.
Donc, on en arrive avec la réglementation. J'invite Gabriel Brisebois pour suivre avec les points. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, ce sont quatre points des adoptions de règlement pour lesquels on a déjà fait des avis de motion que je vous ai présentés là, dans les assemblées précédentes. Au point 41, c'est l'adoption du règlement 1295 qui modifie la limite de vitesse sur une partie de l'avenue de la Fabrique. Donc, on se rappelle là, qu'il y a une zone de 30 qui part du boulevard Taché jusqu'à à peu près Monseigneur Deschênes, puis après ça, ça tourne à 50, alors qu'il y a des enjeux au niveau là, de la circulation piétonnière. Il avait été proposé dans l'avis de motion là, de changer le règlement pour prolonger la zone à 30 km/h jusqu'à l'avenue de l'École. Donc, aujourd'hui, on adopte le règlement 1295 qui modifie la limite de vitesse sur une partie de l'avenue de la Fabrique, pour lequel l'avis de motion avait été donné à la séance du 28 août dernier. Au point 42, c'est l'adoption du règlement 1100-184 qui modifie le règlement de zonage pour réduire les normes d'implantation de bâtiments servant à la production de cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3. Donc, à la dernière séance, on avait la consultation publique qui a été présentée, si je ne me trompe pas, concernant là, ce projet-là, qui expliquait qu'il y avait une demande qui avait été faite, c'est en zone rurale et ça permet de rapprocher à 75 mètres d'un bâtiment agricole, un probable bâtiment où on effectuerait de la transformation ou de la production de cannabis. Donc, je propose d'adopter ce règlement 1100-184 qui modifie le règlement de zonage afin de réduire les normes d'implantation d'un bâtiment servant à la production de cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3, qui est la montée de la rivière du Sud, pour lequel un avis de motion avait été donné le 28 août dernier. Au point 43, c'est l'adoption du règlement 1100-185 qui modifie le règlement de zonage numéro 1100 pour remplacer la zone RB108 par la zone RD30 afin d'ajouter cette nouvelle zone et d'ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamiliales et d'y augmenter la hauteur. Donc, c'est dans le secteur S de la 6e et la 7e rue. On va permettre les usages d'habitation trifamiliale, mais aussi les quatre logements, 4 à 6 logements, augmenter la hauteur possible. Il y a un projet d'habitation qui s'en vient dans ce secteur-là, loger davantage de personnes. Donc, je fais cette proposition d'adopter le règlement qui modifie le règlement de zonage pour remplacer la zone RB108 par la zone RD30 et ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamiliales, 4 à 6 logements, et d'y augmenter la hauteur. Et finalement, l'adoption toujours du règlement numéro 1100-186 pour modifier le règlement de zonage pour y autoriser le stationnement en cours avant pour un usage habitation dans les zones RGM-2 et CC-19. C'est dans le secteur du boulevard Taché-Ouest où il y a les nouveaux développements là, d'habitation en hauteur qui sont en train de se développer. Donc, c'est d'autoriser le stationnement en cours avant pour un usage d'habitation dans ces zones RGM-2 et CC-19 et de modifier la limite de la zone CC-19 et CC-20 pour qu'elle concorde là, avec les limites des lots qui sont encadrés par ces zones-là. Donc, ça avait été présenté lors de l'avis de motion et du premier projet de règlement le 28 août dernier. Pour ces quatre adoptions de règlement, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Mme Boulay, est-ce que tous sont d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, on en arrive aux interventions des membres du Conseil. J'invite M. Croteau avec deux points d'actualité. Donc, merci, M. le maire. Donc, c'est avec fierté que j'ai deux rendez-vous à donner à la population. Donc, le premier rendez-vous, c'est pour... l'événementiel sera d'honneur pour la prochaine rencontre citoyenne. Donc, d'octobre. Donc, vous vous souvenez qu'au printemps dernier, mon ancien collègue Marc Langlois et moi, nous avons instauré des rencontres citoyennes. Donc, la première rencontre citoyenne, bien, ça a été sur l'environnement et ça a été un succès. Donc, on avait dit qu'on voulait faire un genre de projet pilote avec ça, puis ça a bien été. Donc, on revient le 16 octobre prochain et c'est sur la thématique événementielle. Donc, j'invite la population, à ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur le site de la Ville de Montmagny. C'est important, il y a un formulaire d'inscription. Donc, à ville.montmagny.qc.ca/conseil. Et puis, vous avez jusqu'au dimanche 1er octobre pour vous inscrire. Donc, c'est limité à 20 personnes.
Puis, on aimerait idéalement avoir des citoyens représentatifs de chaque district de la municipalité. Donc, l'âge, le genre, l'occupation, l'implication pourraient être considérés là, au moment de former le groupe, si jamais il y a plus que 20 personnes. Mais normalement, les inscriptions vont bien présentement, mais j'invite là, les gens qui ont peut-être oublié d'inscrire cette date à l'agenda. Donc, on vous invite à venir s'exprimer dans un cadre informel avec nous, convivial, puis propice à la discussion et aux échanges. Donc, on pourrait discuter là, de bien des choses sur l'événementiel. Et c'est la même chose. Donc, si tout va bien pour octobre, bien, l'année prochaine, en 2024, on aura d'autres sujets à venir discuter avec vous. Et le deuxième rendez-vous, M. le maire, bien, c'est le brunch qui est organisé en collaboration avec les Enfants de cœur. Donc, c'est le brunch familial. Et puis, c'est les membres du conseil, comme l'année passée, donc on a eu un bon succès là-dessus aussi. Donc, les membres du conseil vont vous servir pour un brunch familial. Donc, si vous êtes intéressé, donc le 15 octobre prochain, donc dimanche, entre 8h30 et 11h30, donc, comme j'ai dit au début, c'est organisé avec les Enfants de cœur. Et puis, c'est une occasion de venir solliciter tout en contribuant à une bonne cause. L'an passé, le brunch d'automne avait permis d'avancer une somme de 4 600. Donc, c'est pour soutenir les projets favorisant les saines habitudes de vie chez les jeunes. Donc, c'est donc naturel pour nous, le conseil municipal, de reconduire cette activité porteuse et rassembleuse, surtout durant l'automne, donc après notre festival. Les billets sont disponibles dès maintenant auprès des membres du conseil municipal, des Enfants de cœur, de la boutique Double Pas, Hockey Pneu Wallet, Fréchette Ford, Montmagny Mazda et ainsi que Thibault GM. Donc, les billets se détaillent à 25 $ pour adultes, 10 $ pour les enfants et 5 $ c'est pour les enfants de 12 ans et moins. Et puis, sont gratuits pour les moins de 5 ans. Donc, si jamais j'avais besoin d'autres informations, vous pouvez toujours me rejoindre au 248-3361 au poste 2072. Donc, ça va me faire plaisir de vous rappeler. Laissez un message et je vais vous rappeler là, assez rapidement. Donc, les cartes partent vite. Donc, faites vite si jamais vous êtes intéressé à venir participer à notre brunch. Puis, ça va me faire plaisir. En même temps, ça va vous donner l'occasion de venir rencontrer notre nouveau collègue, Marc. Donc, pour la population générale, son district l'a rencontré, mais pour la population générale, ce sera une belle occasion de venir rencontrer notre nouveau collègue. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Merci, Justice. Si j'ai bien compris, il y en a de disponibles à l'accueil à l'Hôtel de Ville. Oui, c'est ça, oui. Désolé, oui, il y en a aussi à l'accueil à l'Hôtel de Ville. Donc, si jamais vous n'avez pas de contact auprès des gens dans les commerces, si vous êtes plus âgé, donc vous voulez moins vous déplacer, donc à l'Hôtel de Ville, durant les heures d'ouverture, les billets sont disponibles. Donc, merci. Merci. Donc, j'invite Mme Brisebois à nous parler de Mme Thibault à nous parler de deux points. Donc, la marche et un autre projet oui. qui nous tient à cœur. Effectivement. De la fierté. Oui. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Et alors, comme vous pouvez voir, on est très actifs. Montmagny est vraiment en action. Alors, pour compléter ce week-end d'activité, moi, je vais vous parler d'un point dont nous avons fait référence tout à l'heure, le point 23. Alors, c'est la marche Pierre Lavoie qui aura lieu samedi, le 14 octobre prochain. Au Parc Saint-Nicolas, on invite la population dès 12h30 à venir se joindre à nous pour profiter de l'animation et de recevoir le petit cadeau souvenir. Et pourquoi cette année, le départ est au Parc Saint-Nicolas? Je pense que c'est un bon moment pour découvrir ou redécouvrir ce joyau que nous avons à la ville de Montmagny. Donc, on vous invite. La marche en tant que telle, le départ sera donné à 13h. Et la population aura deux choix de distance, soit un 2,5 km ou encore un 5 km. Et tout ça est rendu possible grâce à un comité organisateur que je veux souligner. Alors, les Enfants de cœur dont on vient de parler, le groupe de médecine familiale de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et bien évidemment notre ville, votre ville. Alors, un gros merci à tous ces organisateurs-là pour nous permettre de vivre ces saines habitudes de vie lors de cette 6e édition de notre marche qui aura lieu le 14 octobre, je le rappelle. C'est important d'apporter sa gourde d'eau parce qu'il n'y aura pas de bouteille qui sera distribuée sur le site. Donc, si vous avez besoin de boire un petit peu, ça serait bien d'avoir votre eau avec vous. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire. C'est gratuit, là, et vous pouvez venir sans vous inscrire. Mais si jamais vous voulez courir la chance de gagner un des 50 manteaux qui sera offert par la marche Pierre Lavoie, on s'inscrit à onmarche.com.
Alors, c'est le bon moment. Donc, vous voyez que samedi le 14, la ville, il y a des activités. Dimanche le 15, après avoir marché comme ça, le conseil municipal vous servira un bon déjeuner. Et lundi, un coup qu'on a bien marché, bien mangé, ça sera le temps de bien parler. Alors, on aura le 16 au soir, l'événementiel. Alors, un beau week-end d'activités à Montmagny. Et le dernier point, Monsieur le maire, c'est le projet qui me tient à cœur et j'espère vous tient à cœur. Alors, c'est fier de ma ville, fier de sa grille. Alors, j'invite toute la population qui dispose en avant de sa porte ou tout près de sa résidence à faire comme on invite de le faire, à nettoyer un petit peu sa grille. Vous savez qu'au mois d'octobre, c'est très propice aux feuilles. Là, le vent va s'y mettre à un de ces moments donnés. Peut-être une petite pluie au travers de ça, alors ça bouche nos grilles ou d'autres résidus. Alors, pour des raisons qui sont très d'efficacité, puis on invite la population à déblayer sa grille, ce qui fait en sorte que ça évite un débordement d'eau. Vous allez me dire, oui, le personnel de la municipalité, c'est leur travail, effectivement. Mais à la quantité de grilles qu'il y a à faire dans la ville, je pense que si on est fier de notre propriété, on ne veut surtout pas qu'il arrive parce que vous savez, un petit coup de pluie rapide, ça peut changer bien les choses. Donc, je vous invite à faire comme moi dans mon district, à travailler pour, pas à travailler, mais à s'amuser en nettoyant sa grille. Et j'invite mes collègues, comme on l'a fait l'année passée, à se challenger sur nos grilles qui sont bien nettoyées. Alors, je compte sur vous pour être fier de votre ville et surtout fier de votre grille. Monsieur le maire, juste peut-être en terminant, peut-être souligner aussi que la fin de semaine d'Action de grâce, c'est, il y a la programmation du Festival de Loi Blanche qui est disponible sur les médias sociaux et sur nos médias aussi, médias de la ville. Donc, c'est important aussi de soutenir ces gens-là qui essaient là, de relancer cette activité. Donc, j'invite la population aussi de participer aux activités du Festival de Loi Blanche qui aura lieu durant la fin de semaine de l'Action de grâce, donc suivez la programmation. Vous avez ça dans les médias de la ville de Montmagny, donc c'est important de souligner ça aussi. Place Festival, excusez, M. le maire, oui. Est à l'église ici. On ne peut pas le manquer. Non, mais c'est ça, mais juste rappeler aux gens. Hein, c'est ça, pour ceux qui ont pensé. Mais en plus, j'ai compris que, je pense que c'est du 5 au 9. Mais déjà, le dimanche 1er octobre, il y a quand même un protocolaire de lancement. Un déjeuner, là. Déjeuner, c'est ça. Déjeuner donc, ça va déjà oui. commencer. Ils ont toujours fait ça, mais le dimanche avant. Donc, je serai assurément là aussi. C'est un autre rendez-vous. Pour le lancement de ça. Ils me font pleurer à chaque fois avec la petite musique et les pampas papineaux qui arrivent. Ouais, moi, ça me touche tout le temps. Je vais déléguer ça à quelqu'un qui veut prendre ma place, peut-être, un jour, mais pour l'instant, c'est ça. Oui. Donc, on en arrive à la période de questions. Pour ceux qui veulent prendre la parole, ont des questions à poser, mais vous savez comment ça fonctionne. Ça. Nommez votre nom, adresse. Est-ce qu'il est ouvert, madame? Bon. Pesez sur le bouton. Ils s'en viennent bon. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir à tous. Je pourrais dire monsieur, madame, mais maintenant, on ne sait plus quoi dire. Fait qu'on va dire bonsoir à tous. Je sais que présentement, je voudrais tout d'abord féliciter monsieur Lefrançois. De s'être présenté comme candidat, puis qui a été élu. Alors, je vous souhaite un bon mandat, M. Lefrançois. Maintenant, on sait qu'actuellement, c'est la période de brassage de chiffres pour le budget. On sait que je conviens que ça ne sera pas facile. Il y a des choix qui vont être à prendre, des choix déchirants, des décisions à prendre. Alors, moi, c'est plus un commentaire, je ne pose pas de questions, c'est plus un commentaire de dire, j'espère que vous prendrez en considération l'augmentation des élus dans les choix à faire pour balancer le budget. C'est seulement que ça. Je regardais aujourd'hui, il est à 6,3 % l'augmentation de coût de la vie. Alors, j'espère qu'on ne se rendra pas là cette année. C'était un commentaire. Merci. Merci, M. Coulombe, toujours pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? M. Wichard, deuxième chat. Moi,
Petit Walter Richard, 61, 3e avenue à Montmagny. C'est juste un petit renseignement. Il y a beaucoup de monde qui viennent en terrain de camping à l'aréna. C'est beau de voir ça. Le 15 jours, il y avait 55 campeurs, puis il y en avait autant qu'un peu partout. C'est pas si c'est parce que les campings étaient fermés, je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé. Je me demande, tant que vous faites vider les campings, y a les roulottes avant de partir, ils se vident. Ils s'en allent dans les choses, puis ils se vident. Est-ce qu'on pourra-t-il savoir combien ça coûte pour faire vider les deux cisternes qu'il y a là, tant qu'ils sont pleines? Je comprends bien la question. Ils sont reliés à l'égout sanitaire municipal. Donc, sont les deux stations de vidange qui sont dans le secteur de l'aréna, du côté. Donc, ça ne génère pas de coûts additionnels. Ça ne génère pas de coûts de vidange, c'est relié au réseau d'égout public. C'est. Autrement dit, c'est des trucks qui viennent spécialement puis sont payés. C'est la ville qui paye pour les faire vider ou bien c'est. Non, ce que je comprends, c'est qu'ils sont raccordés directement. Donc, directement dans le réseau d'égout de la ville. C'est une facilité qui permet de rejoindre les égouts sans qu'il y ait de frais. Parce que. Attention, ce que je comprends. Exactement. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est ce que j'en comprends. Je me suis donné à parler avec un monsieur de Rivière-du-Loup qui partait de Rivière-du-Loup puis il dit. Or, on va se camper à Montmagny, ils avaient toutes les autres, tout ça. Mais il dit, nous autres, il dit que tant qu'on ne paye pas, autrement dit, nous autres, c'est trois jours qu'on doit d'être à Montmagny sans payer à l'aréna. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Oui, c'est un réseau qu'on appelle de boondocking. Effectivement, il y a une durée limitée. Les gens ne peuvent pas passer l'été à offrir ce halte. C'est une halte VR. Puis, il y en a un peu partout dans la province de Québec. Puis, les gens qui font ce type de campement-là temporaire, en échange, doivent profiter des commerces locaux puis aider à générer une forme de retombée économique pour le milieu. Donc, c'est une halte VR qu'on appelle boondocking. C'est une pratique où les gens ne sont pas nécessairement intéressés. Cette clientèle-là n'est pas nécessairement intéressée au camping qu'on peut offrir dans une région. Donc, on n'est pas nécessairement en concurrence avec les campings dans ce type de clientèle-là qui recherche une autre façon de se déplacer d'un point A à B, mais en s'arrêtant entre-temps dans ce type d'halte-là. C'est parce que... un fin de semaine, j'ai vu que il n'avait. Le matin, j'ai passé et j'ai compté, il en a compté 55. C'était plein là, jusqu'à l'autre bout. Fait que toutes les seules qui partent puis qui se vidangent, puis s'ils donnent rien pour se vidanger, vu que c'est gratuit, bien, si ça fait partie sur les taxes, bien, ça fait partie d'un paiement spécial. Parce que vous payez pour que le monsieur vienne vidanger, mais c'est-tu compris sur nos taxes? Bien, c'est compris un autre paiement à part. Ça s'en va dans ce que je comprends, dans le système d'égout comme n'importe quelle autre résidence. Mais ce que je comprends, c'est que les retombées sont plus ces gens-là. Ben oui. Qui consommer à Montmagny et c'est des retombées qui dépassent probablement largement le coût marginal que ça a. Parce que c'est pas pire que s'il y aurait, ce que je comprends, excusez-moi, mais aller faire un tour au petit coin d'un commerce pour la salle de bain. Là, je sais pas, moi, je suis pas. Parce que c'est ma compréhension bien personnelle. Là, mais... Ça se voulait aussi, en lien avec la réflexion stratégique, une mesure environnementale pour offrir ce service-là à se vidanger aux bonnes places. Puis, si c'est pas à Montmagny, il y a une station de vidange aussi dans le secteur de Saint-Romuald, près du parc industriel. Donc, c'est offert. À certains endroits, dans des municipalités au Québec, c'est une pratique environnementale d'être certain que les gens ne se vidangent pas dans des fossés ou d'autres secteurs indésirables. Donc, c'est traité par notre réseau d'égouts et ensuite aux étangs d'épuration où on a établi aussi des lits de séchage puis une façon de les traiter correctement. Donc, c'est à coût minime par rapport à la mesure environnementale puis les retombées économiques que ça peut générer quand on se retrouve avec une cinquantaine. Donc, ça indique que c'est populaire. Puis, en échange, les gens qui font du boondocking doivent utiliser les restaurants dans le secteur ou les stations-service, les épiceries.
Parce qu'on... Madame Brisebois a peut-être un complément à leur information. Marc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je sais, dans le coin du lac Saint-Jean, c'est offert à chaque ville, en arrière des informations touristiques, ce service-là. Ça encourage le touriste à passer, puis c'est une forme de tourisme qui existe, qui avait, comme vous disiez, le bookmaking, exactement. Gabriel, puis après, Jessie, vous êtes Peut-être juste pour préciser, quand le tuyau ou les roulottes se vidangent, là, il est connecté directement à l'égout. Donc, ce n'est pas une citerne en dessous qu'il faut vider. Fait que ce qui sort de la roulotte, ça s'en va dans les égouts avec les autres eaux usées, comme dans votre maison, finalement. Fait que ça ne nous coûte rien à vider, parce qu'on n'a pas besoin de le vider. Ah, c'est si ça. Si jamais que, ça peut préciser. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça, oui. Parce que nous autres, on sort, moi, j'ai eu une roulotte, puis on sort assez souvent. Puis, tant qu'on va camper ou bien on va quelque part, on veille... Tant qu'on paye sur le terrain, tant qu'on l'arrive, fait qu'on a le droit de se vidanger parce qu'on l'a payé. Mais là, si tout le monde passe, puis il arrête de se vidanger, bonjour, merci, on s'en va, c'est nous autres qui a le problème, c'est pas... Il passe, puis il s'en va. Mais nous autres, tant qu'on va en camping, bien, on paye, mais on se vidange au sens qu'on est. Parce que le monsieur de Rivière-du-Loup, il m'a dit... Il dit, je voyage, puis il dit, à la place qu'on ne paye pas, il y a une boîte dehors, à la sortie, il dit, on donne que c'est qu'on veut, il en partant. Il dit, ça récompense, de temps en temps, il dit, quelqu'un qui s'occupe de nous autres, il dit on, il y a une boîte là, puis il dit, on s'occupe de donner ce qu'on veut. Puis c'est aussi, c'est les gens de la population de Montmagny qui s'en servent, parce que moi aussi, j'ai une roulotte, puis avant de l'hiverner, pour l'hiver, je nettoie ma tank, puis je vais vidanger là aussi. Puis ce que Gabriel apporte, c'est la précision que je voulais apporter aussi. Mais aussi, c'est une façon d'encadrer aussi, au lieu d'avoir des veillères un peu partout sur le territoire, donc au centre d'achat, vous allez à Rivière-du-Loup, ils sont tous chez Walmart. Là. Donc, c'est une façon d'encadrer aussi cette clientèle-là, d'être vraiment à une place et non pas d'être sur plusieurs stationnements dans la municipalité aussi, qui peut déranger aussi. Nous assurer donc, qu'ils ne se vident pas d'un fossé avant de rentrer et de sortir de la ville. Au moins, on sait que ça reste propre parce qu'ils s'en vont directement dans nos égouts. Ça, c'est ça. Là, je vous remercie. Excusez, c'est une petite question de... On voyage un peu. Ça fait plaisir. On veut s'informer, on voit comment ça se passe à Montmagny. On reste à Montmagny, mais on a besoin de savoir ce qui se passe un peu. Mais c'était une bonne question. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la période de questions et je vais demander la levée de l'Assemblée. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Prochaine séance, madame? M. le maire, je l'attendais, la question. Le 30 octobre. Le 30 octobre. À l'espace citoyen. À l'espace citoyen. Parce qu'il y aura des travaux dans ce bâtiment et dans cette pièce. Avec nos déguisements. Oui, une petite mise à jour, je pense, M. Michaud, je pense que on a fait l'acquisition il y a 16 ans plus, il n'y a pas eu de travaux, un peu plus que ça, la bâtisse date d'avant de l'acquisition par la ville à Desjardins, mais on était dû pour une mise à jour environnementale des systèmes de climatisation, entre autres. Oui. Alors, nous apprécierons le système de climatisation juste devant nous, pour la chaleur. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.